Bonjour à tous les amis, Salopristoxy, j'espère que vous allez bien. Et donc, on se retrouve non pas sur The War of Mine, enfin This War of Mine, puisque j'ai été vérifier entre-temps s'il y avait eu des nouveautés sur Assassin's Creed Origin, et il s'avère que oui, et il y en a plutôt pas mal, semblant de rien. Parce que pour commencer, il y a une petite mise à jour qui ont ajouté des jolis petits contours. Aux missions et enfin aux missions, aux quêtes, aux choses annexes à faire, je trouve ça plutôt classe. Ça a de la gueule, ça a de la gueule. Bon, par contre, je vous avoue que j'en vois pas vraiment l'intérêt. Bon, c'est juste une question esthétique. Sinon, oui, j'ai pas été voir ce qu'il y avait de nouveau dans le magasin. Pas Gladiator 1. J'irai peut-être faire un tour, voir ce que ça donnera. Voir ce que ça va donner, faire une vidéo peut-être dessus si c'est intéressant. Et donc, l'objectif principal de cette vidéo, c'est pour le nouveau contenu qui a été ajouté, le nouveau mode de jeu. Et donc, on va aller voir ça tout de suite. Donc, c'est le mode Horde. Donc, c'est une chose que je m'en doutais qu'il allait l'avoir. On était dans l'arène et c'était relativement frustrant d'avoir des vagues de trois ennemis. Ouais, enfin trois vagues d'ennemis, tout simplement. Et bah là, apparemment, ça a l'air d'être un genre de mode survie infini. Du coup, on va aller tester ça directement pour voir ce que ça va donner. J'espère que ça sera intéressant. Je pense que oui, sinon il aurait pas mis mode horde. Alors par contre, je vais juste faire un truc. Je vais quitter vite fait l'arène, mais je l'aime pas du tout cette tenue là, la tenue de je sais même plus comment. Ciru, Suri, Ciru. Je sais même plus comment elle s'appelle. Je vais mettre les bonnes armes. Après, je sais pas si on aura le choix, on va aller voir un petit peu plus en détail tout ça. Mais voilà, avant de me lancer, je change ma tenue, je veux quand même que mon bonhomme y ait la classe. Bon. Je dis pas qu'elle est moche. Cette tenue-là, c'est juste que c'est pas mon délire. Trop lumineux, trop fluo, on se croirait en boîte de nuit. Bon, par contre, c'est moi ou le temps de chargement il est devenu v'là long? Moi, ouais, je sais pas. On verra. On verra si c'était un hasard. Bon, cela dit, il n'y a pas de nouveau jeu cette semaine. Alors, j'ai changé le sens de ma barre et je vois plus les. Ouais, cela dit, j'ai pas besoin. Oh, ça aussi, c'est nouveau, tiens. Oh là, il y a de la nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés. J'ai pas regardé. Bah, comme mes mises à jour se font automatiquement, j'ai pas été voir. Par contre, je vois pas ce que ça change pour l'instant. Là, faut peut-être que j'enlève. Ah, c'est pas là. Bah non. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'allais dire, faut peut-être que j'enlève la capuche, mais j'ai même pas l'impression qu'elle existe encore cette touche pour enlever la capuche. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. On va aller d'abord tester le mode arène, enfin le mode horde. Alors, on s'en fout du classement. De toute façon, il y a toujours des gens qui arrivent à trouver des cheats, des glitches, des mods. Du coup, généralement, les classements, ils sont tous relativement pétés. Je connais aucun jeu.
Je connais aucun jeu où il n'y a pas un classement, où le classement n'est pas pété. Ah, j'ai comme l'impression que c'est avec notre équipement. Et je sens que je vais me faire éclater. Je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi, parce que j'ai pris un petit peu trop l'habitude des autres Assassin's Creed comme je refais toutes les séries. Je perds le gameplay. Ça a de la gueule. Ah oui, c'est vrai, j'ai deux touches pour taper. Oh, j'ai pas changé mes armes. Nimp. Le bonhomme était en train de frapper, j'ai le vieux réflexe d'appuyer sur B pour contrer l'attaque. Ils auraient pas dû changer le gameplay d'Assassin's Creed au niveau du combat, il était bien. La musique aussi elle est nouvelle, c'est pas la même. Vague 3, est-ce que je peux remonter en haut ou pas? Oulou! Toi, tu dégages direct. Oh putain, nimp. Ah, c'est cool ça. Je le kiffe déjà ce mode. Heureusement qu'elle me redonne de la vie cette épée hein. Oh, sérieux? Hey, j'ai fait le même, hein. Je me rigole, je me moque pas de toi. Oh, il a esquivé l'enfoiré! Vas-y, je te laisse le bouffer. Stratégique. Hein.
Bon, j'ai pas que ça à faire aussi que d'attendre, hein. Y'a pas un gros? Non. Enfin, en tout cas. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça reste un de moins. D'accord. Ah, il y avait du monde dans celle-là, hein. Il y avait du monde. Oh le, lui faut que je fasse gaffe. Ah! Ça fige. Non, la blague. Ah, ça a repris, tant mieux. Et j'ai eu peur. Tiens, crève. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, toi dégage. C'est moi où il y en a un qui a apparu. Voilà. Oh, j'ai eu peur. J'ai cru que j'allais figer là. J'ai cru que le jeu y allait crasher. Ah, ils sont chiants. J'aurais dû profiter de tes talents et devenir eunuque. Bah oui. Par contre, du coup, je me pose, est-ce qu'il y a quand même une limite ou pas? Je vois la cible. Apportez. Non, 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 non. Non. Ah! Et je me fais éclater pour rien. Je me suis fait coincer, je me suis fait coincer avec un poteau. Ah. Bon bah tant pis, cela dit c'est cool.
C'est cool comme mode. La foule est ravie, bah tant mieux. Bah moi aussi j'espère faire mieux la prochaine fois. Bon bah voilà, donc c'était une petite vidéo de présentation par rapport au nouveau mode. Bon, je pense pas que je vais en refaire plusieurs. Par contre, c'est intéressant parce que du coup, c'est avec notre propre équipement. C'est pas un équipement imposé. Ça, c'est vraiment cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais tâter un petit peu le reste du jeu pour voir les nouveautés, notamment par rapport au bonhomme et au casque, pour voir ce que ça apporte. Et ben, s'il y a rien d'intéressant, je ferai pas d'autres vidéos en attendant d'avoir encore plus de nouveautés sur Assassin's Creed. Assassin's Creed. Sinon, je retourne sur The War of Mine pour continuer les aventures de mes personnages. Donc, vous les aurez pas tout de suite sur YouTube. Pour la simple raison que j'attends d'avoir fini ce que je voulais faire avant de tout mettre d'un coup. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, un bon jeu, un bon ce que vous voulez comme d'habitude. Et je vous fais un zoubi et je vous dis à la prochaine vidéo.